Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous sommes? J'espère que nous sommes en forme. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, je vais montrer nous qui sont capables de récupérer le mot de passe contre Gmail bien facile. Bien avant de continuer, nous avons une salutation spéciale avec chaque grand monde qui est déjà abonné avec Chanel Jotech. Ou même qui peut abonner avec Chanel, faites ça pour nous. Pas hésiter à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos pour nous partager sur Chanel. Le faire comme ça, chaque fois que nous partageons une vidéo, on va faire partie des gens qui regardent la vidéo en premier. Pas hésiter à quitter un commentaire sur la vidéo. Dis-nous qui côté on va regarder la vidéo. Pour nous, big up pour la prochaine vidéo qui va sortir. Ok, guys, pour équiper le mot de passe contre Gmail, le premier soir fait, on va aller dans les paramètres de téléphone. On va rentrer dans les paramètres là. Ok, immédiatement, fin entrer dans les paramètres de téléphone. Puis, voter pour le téléphone. On va chercher côté qui marque Google. On va cliquer sur Google. Ok, immédiatement, on finit arriver dans Google. On va prendre les bons comptes Gmail. On va afficher là. On va cliquer sur gérer votre compte Google. Ok, immédiatement, on finit cliquer sur gérer votre compte Google. Là, on va prendre côté qui marque informations personnelles. On va cliquer sur lui. Ok, là, on va avoir toutes les informations des comptes Gmail. Date de naissance, nom, prénom, genre, etc. avec numéro de téléphone. On va pivoter l'écran toujours. On va prendre côté qui marque mot de passe. On va cliquer sur mot de passe. Ok. Comme vous êtes supposé entrer mot de passe là pour vérifier l'identité, comme oublier mot de passe là, on va cliquer sur mot de passe oublier. Ok, là, j'en vais l'afficher là, il dit récupération des comptes. Afin de protéger votre compte, Google veut assurer que c'est bien vous qui essayez de vous connecter. Ok, qu'on y a là, on fait, il y a une étape pour récupérer le compte Gmail. Il dit confirmer les codes de verrouillage de l'écran, saisir votre mot de passe, essayer de vous connecter d'une autre manière. On va ici, on va cliquer sur le premier qui c'est confirmer les codes de verrouillage de l'écran, on va cliquer sur lui. Ok, là, on va faire continuer. Ok, là, on va mettre le code verrouillage écran téléphone. Wa. Nous, elle paraît tout noir en raison de sécurité. Téléphone là. Ok, on va mettre le code là. Immédiatement, on finit le code là. On va paraît comme ça. Quand on a là, l'idée, choisissez comment vous connecter. Quand on a là, on va cliquer sur appuyer sur oui sur votre téléphone ou votre tablette ou bien saisir le. Ou bien saisir l'un de vos codes de secours, ou cliquer sur essayer de vous connecter d'une autre manière. Ok, là, le fin arrivé là, ou pour côté qui marque téléphone pour la validation en deux étapes. Ou cliquer sur côté qui marque numéro de téléphone. Là. Ok, là, il y a un code bas haut sur numéro de téléphone. Là. Immédiatement, vous finissez le code là-bas ou avant le code là, il se passe ça. Après, soit fait suivant. Là, il y a une possibilité pour modifier mot de passe là pour mettre un autre mot de passe. Si en cas vous n'avez pas de numéro de téléphone, quittez un commentaire sur la vidéo pour me capter une autre vidéo pour nous, pour me montrer une autre méthode pour capable récupérer mot de passe contre Gmail. Bien facile. Au revoir tout le monde, à la prochaine. N'a pas croisé pour une nouvelle vidéo. Merci à vous même qui avez regardé la vidéo jusqu'à la fin.